Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension en revanche est clairement montée d'un cran tout à l'heure. À l'annonce des compositions d'équipe, le speaker a beaucoup de talent pour ça, il sait mettre l'ambiance. Et puis on connaît l'importance du public dans ces rencontres. Un petit mot sur le stade, la fameuse Johan Cruyff Arena qui a été rebaptisée récemment en l'honneur du père du football total. Sans aucun doute le plus grand joueur à avoir porté le maillot de l'Ajax d'Amsterdam. Ça ne vous aura pas échappé, le match a bien débuté. Il est tout seul. Il progresse encore. C'est le moment de centrer. La faute. Il y a vraiment eu une mauvaise communication entre les défenseurs, là. Il ne faut pas se mettre dans de telles situations. Ça vous met en difficulté. Ça peut faire mal. Le poteau. Il connaît. Lille qui essaye de construire. Renato Sanchez. Ce ballon bien dosé. C'est Bamba. Le centre. Un peu d'air pour la défense. Il tire. Ça passe à côté d'un rien. C'est un spécialiste des frappes lointaines, celui-là. Et ils le savent. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. Ziyech. Ziyech, un ballon intéressant. Il y a peut-être un coup à jouer. Centre travaillé dans la surface. Embré maintenant. Il poursuit son effort dans l'axe. Il s'impose physiquement dans ce duel. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage. L'Ajax qui exploite bien les côtés quand même. Oui, surtout devant. Devant, mais vous pouvez décrypter tout ça derrière. Mais avec joie, Grégoire. Ils attirent les joueurs adverses et essaient d'étirer leur défense pour créer des espaces à exploiter par leurs coéquipiers. C'est bon ? Tadic, l'ouverture sur le côté. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. La passe en retrait vers son défenseur. Le long dégagement du gardien. David Neres. Bon ballon. Ça joue long vers l'avant. C'est la mi-temps, les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle et nous aussi d'ailleurs. Lille qui regagne des vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. Pas de but, 0-0, tout va se jouer dans les 45 prochaines minutes maintenant. La seconde période, c'est parti. C'est un match fermé pour le moment. On va voir si ça se débloque dans cette seconde période. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Il allonge le jeu. Oh, que ça va partir vite. Mais ils s'en sortent bien parce qu'en face, c'est maladroit. Ah, c'est quand même dur pour lui. Une petite erreur et c'est toute la contre-attaque qui tombe à l'eau. Lille qui cherche l'étincelle. Bonne interception, il y avait danger. Ce contre peut très bien aller au bout. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier, là, juste avant la passe. Taliafico. Longue passe.
récupère l'équilibre. Il remporte son duel. Dans la profondeur. La passe est précise. C'est une occasion, ça! Et le bon dégagement. L'Ajax qui procède à un changement dans cette rencontre. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. C'est bien donné. La frappe! Oh oui! À mon avis, the carrots are cooked. Les carottes sont cuites. Je ne les vois pas se faire reprendre en fin de match. Et quand on laisse un joueur démarquer comme ça, on s'expose à une sanction immédiate, non? Ouh là là, c'est pas bon signe quand on encaisse un but comme ça. Il faut boucher les trous, et vite! L'Ajax qui procède à un autre changement. Et c'est un attaquant qui rentre. Le premier but dans cette rencontre. Vivement la suite. Voilà un avantage qu'il faut défendre maintenant. Il reste encore pas mal de temps. C'est joué long. Il met le ballon dans la surface. Et ce ballon sur l'aile, voilà une bonne occasion de contre. Elle continue sa course. C'est parfait, magnifique. Bamba. Le bon ballon. Là, ils cherchent à tuer le match, c'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquille. Il tente de la jouer dans l'espace. Frappe! La passe était parfaite. Dommage. Ils ont bien exploité l'espace derrière la défense avec cette balle piquée. Ils ont manqué de chance sur le dernier geste. Il joue en profondeur. Bonne lecture de la trajectoire. Il n'arrive pas à tirer. Il peut y aller. C'est un but phénoménal. C'est tout simplement incroyable. Magic. Bonne égalisation au meilleur des moments possibles. Le match est presque terminé. Oh, c'était incroyable. Un but magnifique. Et voilà, ils reviennent à la hauteur de leurs adversaires dans les dernières minutes. C'est terminé. L'arbitre siffle la fin de cette rencontre. Ils se sont neutralisés aujourd'hui, mais on a vu quand même de très belles choses sur cette pelouse.